Voyez-moi oh quand je suis encore en vie. Aidez-moi oh quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour m'acheter ses cueillis. N'attendez pas le jour de ma mort pour m'acheter costumé. Longuet Longuet avait chanté. Alors, depuis hier que Cabrel nous a quittés, je vois des personnes qui ont déjà plus de 10 vidéos, 8 vidéos. Je ne sais pas si c'est toujours leur manière de rendre hommage à Cabrel ou bien si c'est autre chose. Vous avez constaté que hier, j'étais même le dernier à faire la vidéo et je n'avais même pas l'intention de le faire. Parce que si je vous disais ça hier, personne n'allait croire. Moi, j'étais couché chez moi. Je ne me sentais pas bien. Je n'ai pas voulu vous dire ça hier. Il n'avait même pas l'intention de travailler. On m'appelle à 11h. Je reçois seulement. J'ai même mis mon téléphone sur silencieux. Quand je me réveille, je vois plus de. Où c'était 50 appels. Quand j'essaie d'appeler le premier numéro, on me dit que. Va sur Facebook, va voir ce qui se passe. C'est où je me connecte et je vois ça. Les appels ne faisaient que multiplier les messages WhatsApp et tout. J'ai dit que c'est mieux de forcer et faire une petite vidéo. Mais je suis surpris que je fais une vidéo dans le sens de sensibiliser mes jeunes frères comme j'ai l'habitude de faire. Mais j'ai été surpris ce matin quand je me réveille. Je vois que le cousin, il me dit, quelqu'un m'écrit, me dit qu'il est le cousin de Cabrel. Il est en bain, comme vous pouvez constater là. Il me menace. Il dit que je profite de la mort de son frère pour raconter quoi. J'ai fumé. Cousin, je pense que du vivant de Cabrel, tu devais beaucoup l'aider. Ce n'est pas quand Cabrel n'est plus, parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on parle maintenant si là, c'est le passé. Cabrel n'est plus avec nous, donc même la vidéo que j'ai fait d'hier, ce n'était plus pour Cabrel, c'était pour ceux qui respirent encore et qui parlent encore, qui entendent encore. Donc mon frère, comme je t'ai dit, je ne fais pas mes vidéos pour chercher les problèmes. Je n'ai accusé Cabrel de rien. J'ai même vu une vidéo là sur la page de Gâteau International où franchement le gars était même en larmes. Il regrettait même ses propos qu'il avait dit, qu'il disait du vivant de Cabrel. Vous savez que Gâteau c'est quelqu'un qui aime trop le buzz. C'est pas forcément ce qu'il dit souvent qui est vrai. Il bavarde souvent beaucoup parce qu'il veut attirer la visibilité sur lui. Donc, quand j'ai suivi cette vidéo, j'ai compris que vraiment, ouais, le gars, si, voilà ton buzz qui te rattrape. Et j'ai vu les gens prendre ça au premier degré. Je vous ai dit hier, il n'y a que Dieu et Cabrel qui connaissent les réalités de sa mort. Personne, tous ceux qui racontent, tous ceux qui viennent vous dire, voici les raisons de la mort de Cabrel, voici, personne ne peut connaître la vérité. Donc, arrêtez de tirer sur Gâteau qu'il avait dit ceci, il avait dit cela. Gâteau n'a rien fait. Gâteau n'a rien fait. Donc, mon frère, le cousin, je n'ai rien dit de Cabrel. Tu sais que moi-même, ma fin sera comment? Toi-même qui me menace, tu sais que ta fin sera comment? Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Mais, comme j'ai toujours dit, la mort précoce de Cabrel devrait nous donner des enseignements et des leçons. On doit tirer des leçons, des enseignements après la mort de Cabrel. Parce que toi, cousin, du vivant de Cabrel, il roulait avec une voiture de 35 millions. Tu n'avais pas conseillé Cabrel que, papa, comment tu peux rouler une voiture de 35 millions et tu es en location? Tu ne l'avais pas fait. C'était dans le moment pour toi. Si tu prenais vraiment Cabrel à cœur de le conseiller. Et je crois que tu as encore d'autres frères. Conseille-les donc. Donc, franchement, à un moment donné, arrêtons des menaces un peu un genre. Parce que vous ne connaissez pas ce que nous avons subi dans ce domaine-ci. J'ai fait ma vidéo parce que j'ai eu trop de pression franco. J'ai même posté une vidéo de cinéma que j'avais déjà programmée depuis. C'était programmé depuis, donc c'est venu en ligne seulement comme ça. Allez lire les commentaires. Les gens me menaçaient, les gens m'insultaient en commentaire. Oh, on vient de perdre un être cher et tu viens me balancer la comédie, patati patata. J'étais dans l'obligation de faire une vidéo.
Parce que les gens, il y a des abonnés, si je ne parle pas de ça, ils ne vont pas recroire. Ils vont toujours se dire que c'est le buzz. J'étais obligé de faire cette vidéo, je l'ai fait. Et je continue encore à dire aux gars, tirons des leçons. Ceux qui disent toujours, on attend demain, je suis encore jeune pour faire ceci, pour faire cela. Mon frère ne connaît ni l'heure, ni le jour. Donc, à partir de maintenant, si tu as la possibilité de faire quelque chose, fais-le rapidement. Et vous allez constater que Madame Cooper nous a quittés. On parlait toujours d'une histoire de visa. Parce qu'elle était allée raconter à ses copines, raconter à ceci, cela. On l'a empoisonné. Bon, voilà ce qu'on a en conclusion. Même comme on est venu nous dire que c'était quoi, pulmonaire. Bref, ce n'est plus important. Dans une vidéo, j'ai suivi Cabrel dire que il devait être au Canada mercredi. Que son visa était déjà sorti. Couso, tu devais plutôt dire à ton frère qu'il y a certaines réalités qu'on ne dit pas. Il y a certaines réalités qu'on ne dit pas. Je vous parle en connaissance de cause. Rien que pour le fait qu'il a dit que son visa est sorti, partait au Canada, rien que pour ça, les gars peuvent le t'aimer. Les gars peuvent finir avec lui. Moi, je suis en train de vendre ma voiture. Pour ceux qui ne savent pas, depuis 2 semaines, c'est écrit ça à vendre. Ma RAV, quand là, je suis en train de vendre. Je profite donc là pour vous dire. Je ne voulais même pas dire ça sur les réseaux. Mais vous ne connaissez pas. Quand j'ai acheté cette voiture, j'ai publié. Vous ne connaissez pas les problèmes que j'ai rencontrés avec ça. Et décidant de vendre, d'aller même à pied. Ou bien d'acheter une vieille voiture de 500 000 ou de 1 million. Je veux dire que les gars, partout, on se moque de moi. L'Africain, le Bantou, n'aime pas voir son frère être à l'aise. Pour ne parler que de ça, vous ne connaissez pas ce que nous subissons derrière ce travail-ci qu'on fait. Je vais donc profiter pour dire ceci à tous ceux qui m'écoutent. Que tu sois là, de la diaspora, que tu sois au pays, si Dieu t'a donné la chance de réaliser un tout petit truc comme ça, si tu as des projets, évite de raconter aux gens. Évite de raconter aux gens parce qu'aujourd'hui, on ne connaît plus le véritable ami. Il y a encore des bonnes relations d'amitié, mais c'est à 5%. Le mal a dominé le bien de nos jours-ci. Faisons très attention. Évitons de dire trop de vérité. Oui, parfois on se dit qu'on dit ceci, on dit cela pour amener les jeunes. Parce que parfois, à un moment donné, moi-même, je présentais certains trucs. Parce que c'était dans le sens de dire aux jeunes que travailler dur pour obtenir ceci, mais le méchant ne comprend pas dans ce sens. Le méchant lui prend plutôt dans le sens où tu veux te faire voir. Et il profite de ça pour te faire du mal. Soyons prudents. Restons cachés. Je vous assure, restons cachés. Donc, pour conclure, les amis, comme je vous dis toujours, soyez vigilants. Parce que l'ennemi ne dort pas. Demain, un cas comme ça m'arrive, on va me traiter de tout. Ou il était sorcier. Et chez les Africains, quand tu réussis, tu es seulement sorcier. C'est comme ça. Si ça arrive à n'importe quel jeune, on va dire que c'est le prix de la célébrité. Alors que celui qui parle à même n'est même pas coupable. C'est quelqu'un qui est caché quelque part. Donc, pour conclure, ne vous détachez pas de vos racines. Nous sommes bantous. Je vous dis ça tous les jours. Même il y a beaucoup d'hommes de Dieu là, qu'après les prières, après les messes, ils rentrent au village. Ne nous détachons pas de nos racines. Si vous avez compris, parce que nos ancêtres nous protègent. Ne vous amusez pas avec cela, les gars, les amis. Nous sommes bantous. Même le blanc là, ils ont leurs coutumes. Les blancs là ont leurs coutumes. Ok? C'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Et je voulais encore dire à Okuzo de Cabrel, je sais que le deuil fait mal. Je sais ce que c'est que perdre un être jeune comme ça. J'ai perdu ma maman, elle était encore jeune. Donc, j'imagine la douleur. Donc, mais moi, je n'utilise pas la mort de Cabrel pour faire les buzz et tout le reste. Je devrais mettre à cette vidéo aussi. Donc, on ne devrait pas utiliser vraiment ça pour se faire des buzz. J'ai vu d'autres faire des placements publicitaires, des placements de produits à tort et à travers. Pff, on parle quand même de la mort. Donc, bref,
Chacun sait comment il pleure sa part de deuil. Ciao, partagez-moi la vidéo les amis, s'il vous plaît. Je vous ai dit, la page est restreinte, non? Je vais présenter quelques séquences de Cabrel sur la page Franco Le Mignon tout à l'heure. C'est toujours un hommage, hein? On ne peut rien, cousin. Quand quelqu'un meurt, c'est comme ça. Même si moi, si je quitte la terre ici, les gens vont utiliser mes images et faire n'importe quoi. D'autres, beaucoup ont déjà changé leur page de profil, donc c'est comme ça. C'est comme ça la mort. Ça a été toujours comme ça et ça sera toujours comme ça. Ça ne commence pas sous ton frère. Ciao. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.